renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens. 1 Samuel 17, à partir du verset 12. Lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, verset 12. Oui. Or, David était fils de Séphratien, de cet Éphratien, de Bethléem de Juda, oui, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Verset 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shema. Shama. Verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, verset 15, David s'en alla de chez Saül. Amen. La Bible dit, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem, Pour faire paître les brebis de son père. Amen. On va pour l'instant s'arrêter là et je vais vous expliquer pourquoi David était obligé de repartir. Donc ça veut dire que quand la Bible dit que David revint dans la maison de son père ou à Bethléem, c'est bien ça? Très bien. Donc ça veut dire que s'il est revenu dans la maison de son père, il était où? Il était hors de la maison de son père, ça c'est sûr. Mais il était où? Ah. C'est ça qui va permettre la révélation de ce qui va suivre tout à l'heure, l'enseignement. David n'était pas au champ. Il était, c'est vrai, certes, hors de la maison de son père, mais David était chez Saül. Il n'était pas dans la maison de son père. Pourquoi? Pourquoi est-ce que David est revenu dans la maison de son père? Parce qu'à cette même époque, on cherchait des vaillants héros pour aller en guerre contre les Philistins. Maintenant, David, vu son jeune âge, à cette époque-là, David avait 17 ans. Donc, ce n'était pas un homme de guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? David avait moins de 17 ans quand il est rentré chez Saül en jouant la harpe. Alléluia. Maintenant est venu le moment d'aller combattre. Lui, on va le laisser et on va prendre les personnes dites forts, grands, aptes à la guerre. On va laisser Saül, David. Donc, David dit d'accord. Je sais à quoi d'être ici. Toute la maison est vidée de toutes ces braves personnes. Même Saül même est parti sur le champ de guerre. Moi, je fais quoi ici? David dit, dans ce cas-là, je retourne chez mon père. Amen. Est-ce que le peuple est avec moi? Est-ce que le peuple est avec moi? Il faut qu'on comprenne cette petite partie pour comprendre la suite. Alléluia. Ma fille, continue maintenant ta lecture. Verset 16. Oui. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Verset 17. Esaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ce épha de grains rôtis et ses 10 pains et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Très bien. Regardez bien. Regardez bien. David, quelle était sa mission? Isaïe, c'est le père de David. C'est le père de David. La Bible dit qu'ils avaient 8 enfants, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas quelle place occupait David. Dans d'autres versions, on dit qu'il est le 7e. D'autres versions disent qu'il est le 8e. Amen. Mais peu importe la position qu'il occupe. Seulement, il est enfant de qui? Isaïe. Il est frère des autres, Eliab et Shama et autres. Maintenant, lui, on lui dit, quand il a pris la décision de retourner maintenant auprès de son papa dans la maison natale, n'est-ce pas? Son père lui dit, David, tes frères sont partis en guerre. Là où ils sont partis en bataille, toi, porte-leur la nourriture.
Mais vous savez, le plan, et regardez le plan du Père. Le plan du Père aurait pu se limiter à dire, pars avec la nourriture et reviens, n'est-ce pas? Parce que là-bas où ils sont en guerre, là où les gardes, ceux qui se battent là, où ils sont assis, où ils sont cachés, personne ne peut être là-bas. C'est comme un trou où ils sont en dessous et ils sont là-bas. Et c'est de là qu'ils partent, tu sortes pour aller vers l'offensive. N'est-ce pas? Maintenant, le Père, le sachant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand tu partiras, donne cette nourriture-là à tes frères. J'ai aussi prévu du fromage pour le chef, n'est-ce pas? On peut dire le chef de guerre. Il faut aussi lui porter la nourriture. Amen, amen. Donc, vous voyez que David, quand il est revenu chez son père, avait une mission. Le missionnaire qui vient donner à manger à ses frères et lui, il retourne. Et la Bible dit, son père lui dit, quand tu partiras et que tu leur donneras la nourriture, il faut t'acquérir de leur état de vie, s'ils se portent bien. Mais comment David va savoir? C'est pour cela. Pour savoir que David, c'est-à-dire pour que David puisse savoir pourquoi est-ce que et comment se portent ses frères, David n'a donc pas le choix de descendre. Amen, amen. Il n'a pas le choix de alléluia. David, porteur de nourriture. David, tu n'es pas homme de guerre parce qu'il a 17 ans. David, lui, il doit paître les troupeaux de son père. Alléluia. David n'a donc pas le choix de prendre des décisions comme ça. Si ce n'est que le père qui le dicte ce qu'il doit faire. Pourquoi? Il a 17 ans. Ici, à 17 ans, on est mineur. Donc, la même loi s'applique pour dire qu'à 17 ans, David étant mineur, il n'est pas apte à aller à une guerre. Donc, David, lui, va rester où? Dans la forêt. C'est lui qu'on va envoyer aux corvées. C'est lui qu'on dira, toi, va porter tel colis. Toi, va faire telle commission. Il servait qu'à ça. David servait qu'à ça. Alléluia. Lisons le verset 23. Le verset 22. Verset 22. Mm-hmm. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé. Attends. Attends, mon fils. Au verset 22, David a fait quoi? Remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Donc, quand il est venu, il a fait quoi? Il a remis les objets. Ce qu'il avait là. Les commissions, il a remis à celui qui est responsable des bagages. C'est bien ça? Ensuite, quelle était l'attitude de David? Et il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Mm-hmm. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, mm-hmm. s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Verset 24. Amen. Attends. La Bible dit, Goliath avance. Là, David est arrivé. Il a porté la nourriture. À temps normal, il a fini sa mission. Il devait repartir. Et surgit tout à coup, soudain, brusquement, quelqu'un qu'on ne sait pas d'où il sort, et qui commence à insulter, parce que quand on dit qu'il tient les propos précédents, ça veut dire que il avait des propos injurieux. Il maltraitait le peuple d'Israël, il les insultait. Il disait que le Dieu d'Israël n'existe pas. Il rabaissait tout le monde. Il mortifiait tout le monde. Amen. Et David, malheur pour ce Philistin, David se tient là. Amen. Quand David se tient là, David attend toutes les méchancetés. Maintenant, la question que je vais poser.
pourquoi c'est à David que ça, ça dit c'est devant lui que ces choses se passent. Il a 17 ans. Va apporter à manger. Tu es face à celui-là qui est en train d'effrayer tout ton village, qui est en train d'effrayer tout ton pays, qui est en train d'effrayer toute ta ville. Et puis quand il apparaît, tout le monde fuit. Même le roi fuit. Maintenant, David en face. Et puis le monsieur là répète les mêmes injures, les mêmes menaces. Il lance les mêmes défis. Celui qui était dit, David, devait être où? Au champ avec les moutons. Amen. Son père l'envoie, va donner nourriture. Là où il est parti donner la nourriture, voici Goliath qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le thème de mon message, c'est quoi? Dieu n'est pas limité, ne te limite pas. Alléluia. Dieu met David face à une situation où il veut voir quelle est la hargne, quel est l'amour que David porte réellement. Un, pour sa patrie, deux, pour Dieu. Il est face à Goliath. Le Goliath qui fait peur à tout Israël. Lui, David, normalement, à temps normal, il était dans ses moutons, au champ. Il ne devait même pas le voir. Mais voici que David est face à Goliath. Et le monsieur là, il insulte. Il vous traite de tous les noms. Ton papa, il insulte. Ta maman, il insulte. Tes arrières, tes aïeux, il est dessus. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas limités, n'est-ce pas? Donc nous avons un Dieu illimité, n'est-ce pas? Si nous avons un Dieu illimité et que nous sommes le rêve de ce Dieu-là, c'est que ce qu'il a mis en nous, il a mis en nous un quoi? Un pouvoir illimité. Une puissance comment? Illimitée. Une onction comment? Illimitée. Une force comment? Illimitée. Qui est ce Goliath pour parler devant David? Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, certaines situations arrivent dans notre vie. Quand la situation arrive, essaie d'analyser pourquoi cette situation n'est pas arrivée à Jean-Pierre. Pourquoi moi, en tant que chrétien, l'enfant, le chouchou de Dieu, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Dois-je fuir? Où dois-je combattre? Dois-je partir ou laisser combattre les gardes? Parce que ce n'est pas moi qu'on a mis à part. Moi, je ne suis même pas dedans. Quand ils ont fait leur liste, mon nom n'est même pas inscrit. Mais pourquoi celui-là, là, là? Il n'est pas parti vers ceux qui avaient leur nom inscrit pour combattre. Et c'est devant moi, David, celui qui a 17 ans là, c'est devant moi. Goliath vient gosiférer. Goliath vient se plaindre. Goliath vient lancer le défi. Goliath vient se lever. Pourquoi c'est devant moi? Frère, quand Dieu veut te faire grand, il te met face à des situations. Quand Dieu veut te lever, il te met face à des situations pour tester ta foi, pour tester ton amour, pour tester ta détermination, pour savoir si réellement tu es celui qui s'est prédestiné. Parce que tout enfant de Dieu qui vit sur cette terre est prédestiné. Alléluia. Pour Dieu, quand il regarde David, il le voit comme un roi. Mais David ne savait pas encore. Maintenant, Dieu, il était face à David. David était face à son destin. Son destin de roi. David ne savait pas qu'il était roi. Mais Dieu le mettait face à des épreuves en tant que roi. Saül ne le savait pas. Le peuple ne le savait pas. Personne ne le savait. Mais lui, Dieu, il savait que David avait la capacité. Pourquoi? Regarde ce que Dieu va faire avec David. Il le prend, il le met au champ. Là où il a vu au champ, il est face, il est avec ses moutons. Quand le lion vient, qu'est-ce qu'il fait? Il court après le lion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ouvre la gueule du lion. Il tue le lion.
l'ours arrive, il tue l'ours. Donc, vous allez voir que Dieu est en train de faire quoi? Préparer David. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, je suis en train de t'enseigner une chose. Des fois, tu doutes. Vous savez, face à certaines épreuves, on va douter. On va se décourager. On croit que Dieu n'est pas. Dieu ne change jamais. Il dit, je m'appelle, je suis. Donc, nous avons un Dieu comment? Éternel. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es. Ce n'est pas la condition que Dieu regarde. Mais lui, il regarde à ce que tu vas revenir. Ah. Ah. Alléluia. Frère, qui pouvait tenir devant Goliath? Personne. Personne ne pouvait tenir devant Goliath. Personne. Nobody. Personne ne pouvait tenir devant Goliath. Personne. Tu ne pouvais même pas le regarder dans le visage. Il avait un regard foudroyant. Quand tu vois son armure, l'habillement qu'il a porté pour aller en guerre, ah, le seul bras peut te tuer un seul coup. Personne. Quand David faisait ça, Goliath faisait ça, tout le monde fuyait. Mais pourquoi c'est devant David que Goliath a commencé à parler? Celui qu'on disait, toi tu as 17 ans, tu n'as pas le droit d'être là. Donc reste au champ, reste à la maison. Mais celui-là, c'est ce devant celui-là, il est en train de parler. Frère, si Dieu t'a envoyé en France, Dieu a permis que tu viennes en France, ce n'est pas pour rien. En France ici là, il y a ton succès. En France, il y a ton mariage. En France, il y a ton élévation. En France, il y a la gloire de Dieu. En France, tu prendras pour aller parfaire ce qui est encore un parfait. Ce que tes mains ne pouvaient pas réaliser quand tu étais au champ. Le champ symbolise là où tu étais avant, dans la maison de ton père. Étant dans la maison de ton père, on dirait que tu es un petit enfant. Donc reste dans les marmites, reste au champ. Mais il a fait une erreur. Il dit apporte la nourriture. La transition que David a faite va changer le cours de sa vie. Ah! Alléluia. Frère, quand Dieu permet une migration, il permet un déplacement. Frère, dans le déplacement là, il y a la gloire de Dieu. Là où tu vas partir, au point B, Dieu va changer toutes choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, Dieu nous teste. Face à certaines situations, Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous teste. Dans le test, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Amen. Il teste ta foi. Il teste ta fidélité. Il teste ton amour. Amen. Il teste ta loyauté. Il teste ta reconnaissance. Amen. Parce que tout enfant de Dieu, chaque jour que Dieu fait, tu dois dire Seigneur merci. Pourquoi? Le fait que tu sois venu sur la terre des hommes, ce n'est pas un hasard. Parce que imagine-toi, pendant qu'un choix devait te faire, il y avait 1 million de spermatozoïdes et c'est toi qui as été choisi. Donc ta venue sur la terre a annulé la venue des autres. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est connecté ce matin? Je suis en train de vous faire entrer dans un mystère prophétique. Ce n'est pas tout le monde qu'on choisit. Le choix là, il est divin. Le choix de ton existence sur la terre vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais imagine-toi combien de personnes sont bousculées pour venir. Et pourquoi c'est toi qui fus choisi? C'est que Dieu a un plan avec toi. Tant que le plan ne s'est pas accompli. C'est pour cela que, comme toi-même, tu ne sais pas ce que tu es, qui tu représentes en réalité, Dieu te met face à certaines épreuves pour que tu prennes de l'expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le domaine du mariage, expérience. Dans le domaine de l'argent, Dieu te donne beaucoup d'argent. Et il vient un moment, tu n'en as plus. Expérience. Alléluia. Dans le domaine du travail, expérience. Gloire à Jésus. Donc dans tous les domaines, Dieu nous met face à des expériences afin que nous-mêmes nous prenions conscience de ce que nous sommes. Tant qu'on n'a pas pris conscience, Dieu nous fait revenir toujours les mêmes situations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Quand tu vois que la même situation persiste, insiste, c'est que pour Dieu, tu n'as pas encore appris la leçon. C'est parce que tu n'as pas encore appris la leçon qu'il revient encore. L'année dernière, ce que tu avais vécu, l'année qui suit, c'est la même chose que tu vis encore. Et c'est de manière récurrente que les choses se répètent. Donc vous rendez compte que Dieu est en train d'insister sur un objectif qu'il veut atteindre avec nous. Oh. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Frère, Dieu ne veut pas nous voir miséreux. Non. Il ne veut pas nous voir miséreux. Il veut nous voir bénis. Dans Jean 10, verset 10, il dit quoi? Surtout le verset 10b. Il dit, mais moi, je suis venu vous apporter la vie. Je suis venu vous apporter l'abondance. À qui? Aux brebis. À qui? Aux brebis. Qui est la brebis? C'est toi et moi. Alléluia. Donc pour Dieu, quand il te regarde comme une créature merveilleuse. Mais tant que tu n'as pas pris conscience des événements de ta vie, frère, chaque personne, dans la vie courante, dans la vie qu'il manifeste sur la terre des hommes, doit prendre conscience des événements de la vie. Parce que là où Dieu veut partir avec toi, il veut que étape par étape, marche par marche, nous prenons conscience. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, pourquoi ça n'a pas marché? Dieu te parle. Vous avez fait en sorte que le règne ne se reproduise pas. Et quand tu as pris conscience, Dieu dit d'accord, là c'est bon. Tu montes encore. Et au fur et à mesure que tu montes, parce que qu'est-ce qu'il veut? Dieu ne veut pas qu'on soit béni. Hein? Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Dieu, son objectif, c'est quoi? Que nous soyons dans l'abondance. Et quand on prend la définition de l'abondance, c'est une aisance. Quand tu es dans l'aisance, tu n'es pas limité. C'est pour ça que je vous dis, notre Dieu ne nous a pas limités, ne nous limitons pas. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que les choses, les situations se reproduisent? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pris conscience. Et tant que tu n'as pas pris conscience de ce qui t'est arrivé aujourd'hui, hier, c'est que tu es en train de te limiter. Vous voyez, c'est aussi simple. Quand tu marches de manière mathématique avec cette fonction dans ton esprit, l'échec pour toi n'est pas un abandon de Dieu. Non. L'échec n'est pas un abandon de Dieu. L'échec vient pour nous faire prendre conscience d'une situation. Et quand on prend conscience, parce que dans l'échec, nous avons notre part. Et très souvent, on a 75% de part de responsabilité dans l'échec. Beaucoup ne disent pas la vérité. Mais dans l'échec, là, on a une part de responsabilité. Et pour Dieu, tant que tu dirais que la responsabilité vient de l'autre côté, pour Dieu, tu n'as pas encore compris. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'année qui suit, la même chose vient encore. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc, quand nous prenons le cas de David, David était en train de passer un test d'examen pour son futur. À cette époque, il avait 17 ans. Il ne savait pas de ce qu'il allait devenir. C'est vrai ou c'est pas vrai? David, à cette époque, il avait 17 ans. Il ne savait même pas qu'il allait devenir roi. Mais regardez l'épreuve de Dieu. Dieu le met face à Goliath. Il y avait non seulement un test physique, il y avait aussi un test d'examen de conscience. Dans la conscience, il y a ce que ta pensée perçoit. Quand ta pensée a perçu, qu'est-ce que tu réalises maintenant avec cette perception? Alléluia. Et David est en face de Goliath. Que faut-il faire? Faut-il retourner auprès de son père Isaïe? Ou bien faut-il se ranger dans les rangs de guerre pour aller en guerre et déclarer la guerre contre Goliath? Ou faut-il, qu'est-ce qu'il faut faire? Face à la situation, on parle de son père, Dieu. On parle de sa patrie, Israël. Donc là, il fuit ses responsabilités pour dire, il n'est pas patriotique. Ou il fuit carrément pour dire,
Ah non, moi j'ai peur. Donc je ne veux pas essayer. Parce que le Dieu là, vraiment, des fois il est bizarre. Il est là et puis on nous frappe. Il est là et puis on est au chômage. Il est là et puis on a maladie. Alors que lui-même, il dit qu'il nous connaît. Mes frères, c'est parce que Dieu, il te connaît réellement. Mais si toi-même, tu doutes de toi-même, si toi-même, tu perds toi-même tes capacités, les capacités, tu les vends au diable. Mais Dieu ne va pas venir donner. C'est pour ça que Jésus a dit. Il dit, la bénédiction, je ne les donne pas aux chiens. Pourquoi? Parce que tu étais homme ou femme. La grâce était là, l'argent était là. Mais tu ne connaissais pas Jésus. Tu ne connaissais pas Dieu. Tu prenais ton argent et tu allais ailleurs. Dans les bois de nuit, dans les marabouts. Aujourd'hui, la maladie a frappé ton enfant. Tu reviens là et tu dis, ah, j'ai entendu parler de toi. Guéris mon enfant. Jésus dit, ma bénédiction. Et de quelle bénédiction s'agissait? La voix. Si tu déclares seulement une parole, mon enfant sera guéri. La voix. La parole. Donc vous comprenez que dans la parole, il y a une puissance. Jésus dit, ma parole là, je ne la donne pas aux chiens. Ceux qui ne reconnaissent pas la valeur de Dieu. Vous voyez? Des fois, nous ne reconnaissons pas la valeur de Dieu qu'il nous a donnée. Tu es venu en France, tu ne sais pas quelle valeur. Pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Quand il t'a envoyé en France, c'est pour réussir. Si tu es venu pour réussir, tu dois être avec des gens qui sont dans la réussite pour te montrer le chemin de la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu viens ici, au lieu d'être avec des gens qui vont t'accompagner dans la réussite, mais tu es avec des gens qui te font reculer dans le bavardage, dans le calomnie, dans les coups bas, à coucher avec les femmes des autres, à se lever, ça et là, à faire des choses vilaines, et tu sais que ce qu'ils font, c'est pas bon, et tu les accompagnes. Mais tu n'es pas dans la voie de la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne fait rien comme ça sans un objectif. Avec Dieu, il est minutieux. Tout ce qu'il fait est minutieux. Si Dieu a permis que vous et moi, on se rencontre, vous allez voir que dans cette rencontre-là, il y a sa gloire dedans. Maintenant, pour que sa gloire se manifeste, il nous donne un chemin, une conduite par la parole à observer. Et vous allez voir que quand vous allez obéir à ce que la parole vous dit, ce pour lequel il nous a rencontrés va s'accomplir dans vos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, nous allons poursuivre un petit peu. On va couler un peu à cause du temps. N'est-ce pas? Donc, on a dit, David était dans un examen de conscience. Amen. Et il faut savoir que notre Dieu n'est pas du tout limité. Amen. Il n'est pas du tout limité. Maintenant, face à cet examen de conscience, quelle est maintenant la réaction de l'environnement? Parce que dans la réussite, dans le succès, il y a aussi la réaction de l'environnement. C'est comme le paralytique dans Jean 5. Le paralytique de Bethesda. Ah, n'est-ce pas? Il était couché. Et pour qu'il puisse recevoir une guérison, il fallait qu'il se lève pour se jeter à l'eau. Et la Bible dit, dans chaque portique, c'est-à-dire à chaque porte de l'endroit de Bethesda, il y avait des malades qui étaient couchés. On n'a pas dit le cas des malades, mais on s'imagine un peu. Des gens qui étaient tuberculeux, des gens qui étaient malades. Donc des maladies de tout genre. Imaginez-vous quelqu'un estropié, qui est malade des pieds et des bras. Comment on va faire pour qu'il aille jusqu'à la piscine pour se jeter dans l'eau, parce qu'un ange était dedans, déjà dedans, et puis lui il attendait que tu viennes te jeter. Donc la Bible dit, l'ange remit l'eau, celui qui se jette dedans, il est guéri. Mais lui, à quel moment il va se jeter dans l'eau? L'environnement était déjà cerné. Il y avait des malades partout, eux-mêmes ils sont malades. Donc vous allez voir, vous allez vous rendre compte que dans l'environnement là, chacun se cherche. Qui va s'occuper de son frère? Flo. Amen, hein? C'est pour vous dire quoi? Dans la voie du succès, le parapluie est individuel. Dans la voie de Christ, de Jésus, de Dieu, le parapluie est quoi? Individuel. Quand tu vas arriver au ciel pour te demander les comptes de ce que tu as fait sur la terre, ton jugement, tu seras seul face à Dieu.
Alléluia. Donc pour ce paralytique, vous allez vous rendre compte qu'il y a la réaction du sol. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens mon fils, mets-toi par terre. Mets-toi par terre. Non, assieds-toi. Bon, même couche-toi. Vous imaginez un peu le paralytique? Comme il est couché là. Vous le voyez là? Et à 100 mètres là-bas, la piscine est là-bas. L'ange est déjà dedans. Maintenant, à chaque porte, là, on peut dire c'est une porte, là c'est une porte, là c'est une porte, là c'est une porte, là c'est une porte. Il y a 5. Et à chaque porte, les malades sont là-bas. Il y a un malade ici, il y a un malade là, il y a un malade là. Maintenant, on lui dit, la condition pour que tu sois guéri là, tu dois te lever et puis te plonger dans l'eau. Amen. Je suis en train de vous expliquer la voie de la réussite. Dans la voie du succès, il y a l'environnement qui compte. Si l'environnement est hostile à ton succès, tu ne réussiras pas. Alléluia. L'environnement, pour dire simplement, c'est ceux avec qui tu es. Ceux à qui tu parles de ton succès. Ceux avec qui tu composes. S'ils ont un environnement, s'ils ont en eux un aura, une attitude d'empêcher le succès, tu ne réussiras pas. Parce qu'ils ne te le diront pas. Mais en eux, il y a en eux un aura qui empêche la joie, la grâce, le succès des autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous allez voir, il y a non seulement l'environnement, il y a la terre où tu vas porter la semence du succès. Donc, c'est celle-là que j'appelle la réaction du sol. Parce que ce n'est pas dans toute terre qu'on va investir. On ne prend pas la semence. Vous imaginez, tu as le sable et tu as le riz avec toi. On te dit, va planter. Tu te lèves, tu prends le sable, le riz, et tu vas semer dans la terre qui est sablonneuse. Voilà. En réalité, toutes les terres ne sont pas adaptées à toute semence. Si tu prends le riz et que tu le mets dans la terre où il y a du sable, tu n'auras aucun fruit, aucun produit. Donc, il y a la réaction de la terre. Il faut que dans ton succès, la semence que tu veux porter soit adaptée à la terre. C'est pour cela, lui, son succès, c'est la guérison. Il faut que tu te lèves pour aller vers la piscine pour guérir. Donc vous allez voir, non seulement l'environnement, il aura bousculade. C'est vrai ou pas? Il y a des malades partout. Il aura bousculade dans chaque porte. Le temps qu'ils arrivent, il y a collision. Celui qui est plus rapide va tomber. Donc vous imaginez, il ne va pas rester auprès de la piscine, il va revenir à sa place. Ou même, essaie de te lever. Stop! Qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur quoi? Il prend les deux mains, il s'appuie sur le sol. Amen. Je vous en prie. Vous êtes une semence pour Dieu. Ne prenez pas vos vies pour les semer dans n'importe quelle terre. Faut-il encore, même dans les églises, vous êtes une semence de Dieu. Ne prenez pas vos vies pour aller semer dans n'importe quelle église. Tu dois d'abord rentrer en prière, demander à Dieu si Dieu est réellement là et que ce Dieu-là, en cet endroit, est-ce qu'il a une bénédiction pour toi? Oh, ton amen n'est pas fort. Regardez le diacre. Il est obligé de s'appuyer sur la terre pour se lever. C'est vrai ou pas? Donc, la réaction de la terre est importante. Continue à te lever. Fais encore. Lève-toi encore.
Regardez, il s'appuie sur quoi? Il s'appuie pas sur ses pieds. Il s'appuie sur la terre. Imaginez-vous que ici, là, c'était un mou. Vous dites, il s'appuie sur son pied. Qu'est-ce que le pied allait faire? Ça allait rentrer dedans. Sur le chemin de la réussite, il y a plusieurs réactions. Il y a ceux qui sont avec toi et il y a ceux qui sont contre toi. Maintenant, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais savoir qui est contre toi. Acclame le Seigneur. Esther prend le verset 28. Il faut travailler un peu. On reste toujours dans 1 Samuel 17. Vous allez voir pour David, dans le cas de David, la réaction de son environnement. Regardez son environnement. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 17 à partir du verset 28. Oui. Eliab, son frère aîné. Attends un peu. Eliab, son quoi? Son frère aîné. Eliab est qui? Son frère aîné. Son frère comment? Aîné. C'est son comment? Son frère aîné. Dans son sang. Mm. Lui. Qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Mm-hmm. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je reconnais ton orgueil. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Où? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il est en train de rappeler à David ce qu'il est, sa place. Mm. Ah. Hey, bien-aimé, je parle de l'environnement. Je parle de ceux qui t'entourent. Je parle de ceux qui sont en train de tout le temps te rabaisser. Je sens pas de ceux-là qui ne reconnaissent jamais la valeur qu'il y a en toi. Jésus. Tu vois toujours le rabais pour toi, qui te prend comme un sous-homme, qui te prend comme un vaurien, qui te prend comme un pauvre, alors que lui, Dieu, il t'a élevé. Pourquoi est-ce que David était face à Goliath? Si lui, il avait la capacité de le détruire, pourquoi depuis longtemps la guerre a commencé, il n'a pas pu détruire Goliath? C'est devant David que Goliath vient parler. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien-aimé, vous allez voir le genre de comportement là, il y en a plein autour de vous. Quand vous voulez accomplir une mission, malheur pour toi, tu allais parler de ton mariage à une soeur qui est dans la même situation que toi. Mais le découragement qu'elle va déposer sur toi, elle ne connaît même pas l'identité du monsieur. Mais elle va commencer à prier. Elle dit, attends. Je vais faire des enquêtes. Toi, qui te confies matin, midi et soir de tes projets, quand tu rencontres une personne qui te dit, attends, je vais faire enquête, elle est dangereuse. Amen. Parce que enquête elle va faire là. Elle va faire qui? Nous, on regarde les films à la télé là. On voit que les enquêtes qui se font avec beaucoup de démonstrations. Mais elle va faire son enquête là. Qui sont les belligérants qui sont dans l'enquête et qui vont venir rendre compte de l'enquête? Est-ce que je parle à toi ce matin? 1, 2, 3, tu prends ta vie, repose. Tiens. Tu prends ta vie, tiens. Prends ta vie, tiens. Il dit, ils vont faire enquête. L'enquête, ils vont faire là. Ils vont voir si le monsieur là est vierge ou pas. Ils vont voir. Non, c'est la vérité, non? Quand ils font l'enquête, c'est quoi? C'est pour aller dans le passé du monsieur? Ou bien? Ils vont dans le passé de la femme. Mais quand la personne a l'âge qu'il a, est-ce qu'il est vierge? Mon frère, fais attention. Je vais faire enquête. Je vais faire enquête. Dans enquête, c'est qu'ils vont te ramener toi-même là. Quand le monsieur va cling, tu dis retourne-toi. Amen. Il n'y a pas d'enquête avec un enfant de Dieu. Amen. La personne qui convainc, c'est Jésus-Christ dans le cœur.
S'il te convainc que ton cœur bat quand tu vois la sœur, mets ça entre les mains de Jésus. On se marie par amour, pas par procuration. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Un de tous les amis. J'ai rencontré quelqu'un là. Depuis là, tous les matins, il m'envoie un SMS. Mais la personne avec qui tu entends parler, elle n'a jamais vu un demi-SMS. Elle-même, personne ne frappe mais à son cœur, mais personne. Amen. Là, ça dit que sa seule joie, c'est rentrer à la maison avec ses enfants. Oui, tu as mangé, viens te laver, viens me sentir. Après qu'elle est finie, elle prend son téléphone. Là, c'est Facebook. Et puis, elle est là tout seul dans les entendre. Une personne comme ça, tu prends ta vie, tu donnes. Amen. On ne confie pas. On ne confie pas ses secrets de foyer à une personne qui est célibataire. Quel conseil va te donner? La personne n'a jamais construit un foyer, n'a aucune expérience du foyer. Toi, tu prends, tu lui donnes. Mais si tu veux être, si tu veux qu'on te donne des conseils, on va te donner des conseils. Dites-le. Premier conseil. Ah oui, est-ce qu'il te donne même chaque fin du mois, est-ce qu'il te donne un pain? Non, c'est pas un bon monsieur ça. Quitte-le. Tu sais, tu te rappelles, j'ai rencontré une soeur, tu connais son frère qui connaît sa soeur, qui m'avait dit qu'il était avec une autre soeur. De toute façon, il a maltraité la soeur il y a combien d'années? 20 ans. Donc, il n'est pas bon. Quitte-le. Ce qu'il a fait en 20 ans, il va te faire aujourd'hui encore. Réaction de l'environnement. Les Eliab là, vous les avez plein. Vous dormez avec, vous réveillez avec. Et puis, comment j'ai fait? La personne, toi-même tu sais, la personne met piment dans tes yeux tous les jours. Mais tu ne peux pas quitter la personne. C'est vrai ou pas? Elle met piment. Tu sais que toutes les mauvaises informations où toi-même tu es déshonoré là, à cause de sa langue. Tu sais que ça vient de la personne, mais tu n'arrives pas à mettre frein. Tu es toujours avec la même personne, tout le temps. Tu ne peux même pas t'en séparer. Parce que la personne t'a étalé une forme de gentillesse avec de l'argent. Donc si tu t'en détaches, l'argent ne va plus descendre. Est-ce que tu es réellement chrétien? Est-ce que tu sais de quoi ton Dieu est capable? Regardez les Eliab. Il se fâche contre David. Pourquoi? David a fait quoi? Continue ma fille. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pas David qui est orgueilleux, c'est toi-même qui es orgueilleux. Parce que qu'est-ce qu'il a étalé la première fois? C'est pas la colère. Tout coloreux est orgueilleux. Regardez sa langue. Pendant qu'il parle, il y a du monde autour de lui parce qu'il est descendu David pour prendre des nouvelles d'eux. Amen. Amen. Mais regardez sa réaction. Son propre frère. Je sais que toi là, je connais ton orgueil. Et en plus, il s'énerve. Pourquoi tu t'énerves? Il n'a pas envie de s'énerver. C'est ton frère, petit frère, viens ici. Ici là, c'est dangereux. Si tu es malin là, va auprès de papa. Mais est-ce qu'il a besoin de se fâcher? Il a commencé par quoi? Colère. Celui qui est coloré est faible. C'est l'âme des faibles. C'est l'âme des hypocrites. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 19 oui. Et 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Attends. David dit, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Je suis venu te porter à manger. Papa voulait savoir si tu te portes bien. Je suis venu jeter un coup d'œil sous et puis j'ai reparti. Mais qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Si tu as parlé, c'est qu'il y a mon bonheur là-bas. Si tu t'es opposé, c'est qu'il y a mon bonheur dedans. Amen. Si tu ne veux pas que je fasse quelque chose, c'est qu'il y a mon succès dans ça. Amen. Si tu commences à t'énerver, c'est que tu as caché mon bonheur. Tu as assis sur ma grâce.
moi David, je vais creuser pour savoir ce qui se passe. Alléluia. Regardez au verset 30, David dit quoi? Et il se détourna de lui pour... Il a fait quoi? Il s'est détourné de lui pour s'adresser à un autre. Christ revient. Regardez. Je me couvre du sang de Jésus. Je suis Eliab. Non, tu prends Eliab. Bon, toi tu es David, je suis Eliab. Moi je peux me défendre. Amen. Regardez un peu. Tu viens de faire quoi ici? Tu te prends pour qui? Orgueil là! Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à faire quoi? Hein? Et comment on appelle cette attitude là? Avec quoi? À le rabaisser, à le diminuer, à le limiter, à le rembourrer. C'est ça, non? Alors que il aurait pu le prendre en douceur, mais tu ferais bien. On se met sur le côté et puis on lui explique. Celui qui a un bon cœur, celui qui est sincère dans le comportement et dans la façon de faire de tous les jours, qui veut la vie aux autres, il prend de côté et il informe. Mais celui qui est rempli de haine, celui qui est rempli de méchanceté, qu'est-ce qu'il fait? Il veut montrer à l'entourage que c'est lui qui connaît, que c'est lui qui est le bon. Et il va s'étaler avec la mauvaise conduite. Maintenant, pour savoir ce genre de personne, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut demander à Dieu de te montrer par le Saint-Esprit le caractère de ton Eliab. Tout à l'heure, on va prier. Maintenant, regardez ce que David fait. Amen. Regardez ce que David fait. David va faire quoi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Reste comme ça. C'est comme ça qu'on se détourne. Parce qu'on n'a pas dit lui a donné dos. Hein. C'est ça? En face de moi, mets-toi un cas de tout, c'est bon. Je suis Eliab. Voici la position de David maintenant. Qui est en face? Bayou. Annick. La Bible dit quoi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Pour s'adresser à qui? À un autre. Qu'est-ce que David cherche? Il cherche quoi? Une information capitale sur la personne qui parle beaucoup là, qu'est-ce qui se passe ici? Son frère était la meilleure porte pour David pour avoir les informations. Mais est-ce que son frère lui a donné? Non. Est-ce que son frère est dans le succès de David? Non. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Est-ce qu'on me comprend ce matin? Amen, amen, amen. Donc vous allez voir, dans vos différentes vies, dans ce que vous voulez réaliser, il y a des Eliab qui sont toujours en train de vous faire des barrières. Mais tant que vous n'êtes pas détourné d'eux, vous ne serez... Regardez David. David se détourne et puis il demande à qui d'autre? Il demande à une autre personne. Alléluia. Amen. C'est comme Jésus. Jésus est venu pour Israël, le peuple d'Israël. Mais la Bible dit, à cause de leur attitude, à cause des différents comportements d'Eliab comme ça là, n'est-ce pas? Dieu a pris Jésus et il l'a envoyé à ceux qui n'étaient pas prédestinés, dont toi et moi. Amen. Il dit, va dans la rue, prends les estropiés, prends les aveugles, prends les sourds, ramène-les-moi. Ils vont participer au festin. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans la lignée du roi, dans son organisation, il y avait une liste qui était prédestinée à la fête. Ils ne sont pas venus. Alléluia. Frère, le jour où tu vas commencer à te détourner de Eliab, Dieu va te montrer des personnes qu'il a prédestinées pour ton succès. Amen. Amen, amen. Frère, sors de Eliab, dis amen. Le Eliab dit amen. Amen. Il faut que ton Eliab quitte son chemin. Dis amen. Amen. Dieu veut te bénir, mais il y a Eliab qui dérange. Amen, amen, amen. Il y a Eliab qui s'énerve. Parce que quand il s'énerve,
Il a tellement essayé. Il est parti voir les marabouts. Il a vu les hommes. Il a parlé, ça n'a pas marché. Maintenant, il va chercher une autre possibilité. La colère. Physiquement, maintenant, il veut t'atteindre. Mais Eliab, David dit, David s'est détourné. Assieds-toi, mon fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu dois te détourner de Eliab. Tant que ta vie n'est pas détournée d'Eliab, ce que tu avais vécu hier comme échec, tu vas revivre encore la situation. L'année prochaine, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la mort. Tu es couché dans les morts. Couché dans les morts. Dans les funérailles, morts. Les morts se répètent chaque année. Parce qu'à un moment donné, Dieu est en train de te parler, qu'il t'a créé, il t'a prédestiné dans ta famille comme une source de bénédiction afin de protéger la famille par ta prière, par ton adoration, par ta louange, parce que tu manifestes pour fermer la porte de ce jour des morts. Alléluia! Gloire à Jésus! Amen. Dieu a permis que tu sois choisi afin que dans ta famille, c'est par toi que les gens s'expriment. Je suis la sœur de, le frère de. Hein? Est-ce que vous connaissez ça? Justement, les gens font tout pour que tu sois un parent à eux. L'amour ne se marchande pas. Ou on aime, ou on n'aime pas. C'est vrai, non? Et aussi, c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Je ne vois pas ton amour, mais ça dit que tu m'aimes par mon argent. Tu ne verras plus mon argent. S'il n'y a plus l'argent, on fait quoi? Non, c'est l'épée qui vient après. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand Eliab est dans ta vie, il a un objectif. Amen. Un, il veut te dominer. Eliab, quand il est là, il veut diriger ta vie éternellement. Eliab, quand il est là, il veut te faire manquer le succès. Eliab, quand il est là, il veut te faire échouer. Alléluia. Eliab, il veut te maintenir dans le célibat. Eliab, il veut te maintenir dans la pauvreté. Eliab, il veut te maintenir toujours en tant que sous-homme. Eliab, quand il est là, quand tu lui parles, tu dois te taire. Tu n'as rien à dire. Eliab, après sa parole, il n'y a plus une autre parole. Et regardez la preuve. Qu'est-ce qu'il dit à David? Il dit, mais David, à qui tu as laissé les brebis? Hein? Les brebis dans le désert. À qui tu as laissé les brebis dans le désert? Ça, c'est Eliab. Il te rappelle le vomi que tu avais déjà laissé. Quand tu veux y ressortir, il te ramène dans le vomi. Parce que tu dis non, trop c'est trop, ça suffit. Au verset 32, lis ma fille, jusqu'au verset 33, verset 32. D'accord. Oui. Verset 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Oui, regardez, pourquoi David dit ça à Saül? Dans ta vie, il y a deux éléments. Les empêcheurs de succès, ils sont deux. David, il y a Eliab. Et puis il y a qui? Saül. Saül peut être ton père. Saül peut être ta maman. Saül peut être ton enfant. Saül peut être celui qui est dans ton environnement tout le jour et qui te connaît. Amen. Amen. David, il voit que même Saül doute de lui. Continue ma fille. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Mm. Ton serviteur ira se battre avec lui. Oui. Verset 33. Mm. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Mm-hmm. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Très bien, attends un peu. Regardez la révélation. Christ revient. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Est-ce que vous trouvez normal qu'à chaque fois, on vous rappelle que vous êtes un sous-homme? Bien-aimé, est-ce que tu trouves normal qu'on te rappelle à chaque fois, à chaque moment, tu n'es rien? Comment je suis là, tu te tais?
Le mot enfant dans la Bible, c'est ça. Hein? C'est de te diminuer tout le temps. Te rabaisser tout le temps. Ici, là, tu n'as rien à dire. Mets-toi à genoux. Voilà. Tu es un enfant. Et puis, lui, Saül, normalement, c'est le roi d'Israël. Donc, il est l'autorité suprême. Il a la domination sur Goliath. C'est vrai ou pas? Mais regardez ce qu'il va faire. Il va donner la gloire à qui? À Goliath. Est-ce que le trône de Dieu change? Il va enlever la gloire. Il va la donner à qui? À Goliath. Il dit, c'est un homme de guerre. Qui est cet homme de guerre qui peut vaincre un enfant de Dieu? Qui est cet homme de guerre qui peut dire à un enfant de Dieu, tu ne vas pas te marier? Qui peut dire à quelqu'un, tu seras pauvre à vie? Parce que c'est un homme de guerre. Lui, là, il est né dans l'argent. Toi, quand on parle de bonnes personnes, tais-toi. C'est comme bâtiment. Lui dit, tais-toi. Toi, on parle de personnes qui sont physiquement correctes. Toi, tu vas dire quoi? Tais-toi. Même la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, pendant qu'elle voulait toucher Jésus, on l'empêchait de toucher Jésus. Seigneur, que mes enfants, que personne ne vous empêche de voir le succès. Personne ne t'empêchera de voir le succès. Personne ne t'empêchera d'aller dans la gloire du succès. Personne ne t'empêchera de réussir. Personne. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est normal ça? Le trône de Dieu ne change jamais. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu. Demain, tu es devenu sorcier. Pourquoi? Où on est avec Dieu éternellement. On ne change pas. Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il t'a choisi là, il sait pourquoi. C'est parce qu'en toi, il y a des grandes choses qu'il veut réaliser. Regardez Saül. Même Saül, même le roi. Le roi n'a pas cru en David. Mais regardez ce que David va faire. Continue ma fille. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Attends. Vous voyez, je vais prendre ça comme dans la vie de tous les jours pour quelqu'un qui va chercher du travail. Quand tu arrives, on te demande quoi? Ton CV. C'est pas ça? Et puis quoi? La lettre de motivation. Regardez David. Pour arriver à convaincre Saül, puisque Saül même avait déjà diminué David. Il avait déjà limité David. Il regardait David comme un sous-homme. Comme quelqu'un d'incapable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Maintenant, David dit, t'inquiète pas. Moi, je me suis préparé avant de venir. Je vais te montrer mon CV. Hein? Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. Et il en sera du Philistin. Il en sera du Philistin. Uh-huh. Et c'est ainsi concis. C'est ainsi concis. Regardez. Ah, David me plaît trop. Regardez la révélation cachée. Hi, mon fils. Non, David me plaît trop. Promène-toi avec David. Amen. Hein? Saül va venir. Il va diminuer David. Il va donner la gloire à qui? La gloire à qui? À Goliath. David va venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer par la parole ce que Saül avait fait. Donc il va annuler. Il a dit quoi? C'est un circoncis. Amen. Donc David va faire quoi? Lui va se relever et puis il va se coucher. Goliath. Déjà spirituellement. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ta vie spirituelle, dans la vie de tous les jours? Ton père, s'il ne t'a pas vendu, ta mère, c'est quand elle te vend, ton père te vend, on te tue. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur, tu as la capacité d'annuler. Ah. Alléluia! Bien-aimé, il y a trois types de père. Dieu, deuxième type, père spirituel. Troisième type, père biologique. Le père biologique, c'est Saül. Il peut te vendre. Là, Saül a vendu Israël. Quand il a vendu Israël,
Isaïe était à genoux. Parce que vous allez voir, il va conditionner Israël pour dire, celui qui peut vaincre ce Goliath, je lui donne Milka, sa fille. C'est ça, non? Ok. Comprenez une chose. Dans la vie spirituelle, celui qui peut te vendre, c'est celui qui vient de ton sang. Si ton père vit, ta maman vit, les deux, la peuvent te donner dans la sorcellerie, ils vont te tuer. Il n'y a rien à faire. Si le père ne vit plus, la responsabilité, l'autorité revient à qui? À la mère. Si elle décide de te vendre, de te tuer, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever. Est-ce que je te parle ce matin? Maintenant, regarde. Ce que nous Dieu donne, ce que Dieu donne comme possibilité, comme capacité, quand tu acceptes le Seigneur, tu as un père spirituel. Je suis en train de vous faire quoi? Vous enseignez l'évangile. De sorte que s'il y a un décret de mort sur vous, quand on va déclarer ce matin, ça va s'annuler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aujourd'hui là, je ne sais pas la taille de la malédiction qui est sur ta vie. Je ne sais pas le propre qui est sur ta vie. Mais cela va s'annuler ce matin. Dieu va annuler ce matin cela. Et tu seras restauré au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant regardez. Saül va vendre Israël. David va venir rétablir Israël. Ma fille, vas-y. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Oui. Et il en serra du Philistin. Et c'est ainsi concis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il a commis? Il a insulté l'armée du Dieu vivant. Hé, hey, mon enfant, si pour Dieu tu te lèves et que tu combats pour lui, ce Dieu-là ne peut-il pas te donner la victoire? Amen. Il ne peut pas te donner la victoire? Amen. Si pour Dieu tu dis non, à partir d'aujourd'hui, toi, ma famille, je t'ai dit, va te donner à Jésus, tu ne veux pas, arrière de moi. Amen, amen. Jésus amen. A regardé Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas pour toi, ce que Dieu a prévu ne peut pas s'accomplir. Tu parles trop, quitte derrière moi. Bien aimé, David va dire, c'est ainsi concis. Il a insulté mon Dieu. Frère, à un moment donné, quand on porte accusation à ta famille, à ta femme, à ton fils, ou même à tes enfants, ou à ton pasteur, ou à ton église, où on commence à maltraiter ton foyer, alléluia. À un moment donné, tu dis stop. En lui disant stop, tu ne le fais pas pour la personne que tu défends, mais tu le fais pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous explique aujourd'hui. En fait, la révélation cachée qui est dans ce message, David, c'est là que Dieu va décider de prendre David comme roi. Amen, 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 amen. Parce que quand il va prendre, il sera face à toutes ces épreuves et que David va se revêtir de la gloire de Dieu et qu'il va aller comme un courageux pour pouvoir combattre Goliath. Amen. C'est là David va dire, et Dieu va dire, yes, c'est l'enfant selon mon cœur. Parce que les vrais hommes qui étaient forts, qui étaient plus, deux fois plus âgés que David, en âge, eux, ils ont échoué. Mais mon jeune fils a 17 ans, il a réussi. Alléluia. Donc, le décret, Dieu va prendre le cachet. Bah, Saül, sans le savoir, il va vendre sa royauté. Mais il y a une image qui va, il y a une image qui va attirer notre attention. Saül va vendre sa royauté sans le savoir. Amen. Amen. Permettez-moi un court instant. Parce que cette parole-là, je veux qu'on la finisse, qu'on la comprenne. Et la prochaine fois, tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ma fille, continue la lecture. Verset 37. Oui. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Oui. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Mm-hmm. Verset 38. Regardez un peu. Regardez la partie où il dit, va. Il dit, va et que, l'Éternel soit avec toi. Ça rappelle quoi? La pêche miraculeuse à Jérusalem. C'est ça? Entre Jésus et qui? Pierre. Pierre a douté de Jésus, non? Hein? Il a douté de Jésus.
Maintenant, Jésus lui dit, va en eau profonde, jette ton filet. Bon. Pierre dit, bon, Seigneur, on a trop pêché. Depuis toute la nuit, on était là, on n'a rien eu. Il n'y a même pas eu un petit poisson. Mais sur la base de ta parole, je m'en vais. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? En fait, dans le processus de libérer Israël, David ne voulait pas sauter une étape. Le roi était une porte importante à ne pas sauter. David ne pouvait pas aller en guerre si le roi ne donnait pas l'autorisation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, quand tu es dans une famille, il y a un aîné. Quand tu es quelque part, il y a quelqu'un qui dirige, demande l'autorisation d'abord. Amen. Amen. David avait simplement besoin du ok de Saül. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il dit, bon. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a montré son CV avait convaincu Saül. Quel est ton CV? Tu es à l'église, quel est ton CV? David a fait étalage son CV. Il dit, moi celui-là, c'est un inconscient. Je peux le vaincre. Dieu m'a donné la capacité de le vaincre. Pourquoi? Pour la simple raison que j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Nous sommes à l'église là. Quel est ton CV? C'est-à-dire que tu vas incliner le cœur du roi. Le CV de David a incliné le cœur du roi. Jamais tu travailles. Le jour où tu as travaillé, on ne te connaît plus. Quel est ton CV? Dieu t'a béni. Même sans témoignage, tu ne peux pas faire. Quel est ton CV? Amen. Alors que le déclic de ton succès dépend du témoignage que tu vas faire. Le déclic de ton succès dépend de la dîme que tu donnes à l'église. Dîme, on ne te voit pas. Offrande, on ne te voit pas. Action de grâce, on ne te voit pas. On dit, on va construire le bâtiment, ce n'est pas ton problème. Alors que les autres ont fait le processus de leur succès. Demain, quand ils vont réussir, tu vas commencer à les jalouser. Et tu vas être méprisant pour rien. Alors qu'ils ont travaillé à ça. C'est la même chose pour David. David est face à une situation où il fallait qu'il parle. Il a parlé. Le cœur du roi, c'est comment? Incliné. Regardez la suite. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Continue, ma fille. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39. Oui. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Regardez, je suis en train de finir. Je voudrais qu'on écoute ça avec beaucoup d'attention. Viens, mon fils. Maman, donne-moi ton manteau. Donne-moi ton manteau. Mets-toi là. Merci. Regarde l'assemblée. Vous savez, le vêtement que vous avez, ton âme est à l'intérieur. Ton succès est à l'intérieur. Toute ta vie est à l'intérieur. Dans l'âme, à l'intérieur, tu as transpiré. Dans la transpiration, il y a le sang. Il y a l'âme. N'est-ce pas? Quand vous prenez vos vêtements, un pour un oui, un pour un non, on vous appelle. Oui, je n'ai plus d'habit. Tu prends ton propre vêtement et tu le donnes à qui tu veux, ou au frère, ou au village. Amen. Tu es en train de vendre ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Écoutez-moi bien. Chaque âme, je dis bien, à l'intérieur de chaque âme, Dieu a fait un dépôt de succès. Regardez Saül. La Bible dit, il prend quoi, ma fille? David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Non, et voulut marcher. Non, remonte carrément. Saül fit mettre ses vêtements à David. Ce que je suis en train de faire comme enseignement, je vous en prie, ouvrez bien les oreilles, je vous en prie. Puis suivez-moi avec beaucoup d'attention. Ce qui va se passer pendant le programme, Dieu permettra que, au travers de ce que je vous dis, vous puissiez être en harmonie avec ce qui va se passer dans le programme. Amen. Parce que ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est ce qui vient de la source de la famille. Nous avons un programme qui commence le mardi.
Et je demande à l'homme de Dieu de nous faire ces enseignements-là. Parce que c'est là-dedans que Dieu l'utilise puissamment. Amen. Donc, Saül prend. La Bible dit, il prend quoi? Saül fit mettre ses vêtements à David. À temps normal, pour ceux qui connaissent comment David, Saül s'habille, en fait, quand Saül sera dans ses vêtements-là, il a mis un casque, mais on ne va pas utiliser de casque. Quand il sera dans ses vêtements, est-ce qu'on reconnaîtra que c'est David qui est dedans? Qu'est-ce qui on va reconnaître? Saül. Donc, spirituellement parlant, Dieu avait pris David pour le préparer à un royaume pour remplacer Saül. Est-ce que vous me comprenez aujourd'hui? Dieu, toutes ces épreuves qu'il a montrées à David, c'était en remplacement de Saül. Maintenant, Saül, il faut que lui-même donne le trône. Dieu a permis cela afin que Saül lui-même donne le trône à David. C'est pour cela que Dieu a permis que le père de David, qui est Isaü, puisse envoyer David au champ de bataille. Et lui demande de descendre pour prendre sa querelle des nouvelles de ses frères. Et là, il arrive, Goliath se présente. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez-moi bien. L'objectif de Dieu sur la vie de David par rapport à Saül, où la présence de Goliath était, c'est en fait que la gloire de Dieu descende sur David. Révélation. Donc en fait, amen, amen, c'est amen. Dieu lui-même qui a créé Goliath pour élever David. Amen. Alléluia. La Bible dit, Goliath, ou du moins Saül, habille qui? David. Donc, Saül, sans se rendre compte, lui, il croyait que l'enfant est venu le défendre. Mais en réalité, l'enfant est venu prendre son trône. Amen. Est-ce que David a forcé? Est-ce que David a fait coup bas? Non. Est-ce que David a volé? Saül a lui-même pris, il a donné. Mais ce qui va réjouir ton cœur, écoutez la suite. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Oui. Verset 39. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Il a dit quoi? Je ne peux pas marcher avec cette armure. Armure. Pourquoi? La façon dont Saül a pris le trône, c'est une façon illégale. Amen. Saül était sale. S'il gardait ses vêtements pour occuper la royauté, il n'allait jamais avoir la paix. Parce que Saül avait été déjà rejeté par qui? Par Dieu. Pourquoi? Pourquoi ça? Comment Saül est venu? Saül est venu au trône par les hommes. Ce que les hommes te donnent, ils vont te le reprendre par la droite. Ils te donnent par la droite, ils vont te le reprendre par la gauche. Alléluia. Quand l'homme donne, ça ne reste jamais. Parce que l'homme sera derrière toi. Tu lui seras redevable à vie tant qu'il t'a donné. Surtout dans les relations où on met en contact. Vous qui vivez les relations par mise en contact. Celui qui t'a mis en contact là, tu resteras redevable à vie. S'il est comme ça, heureux, c'est grâce à moi. Les enfants que tu vois là, ils ne seraient jamais venus au monde sans moi. L'argent qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à moi. Frère, non. Mais quand Dieu te donne, c'est le suivi de qu'un chagrin. C'est pour ça que la Bible dit, quand l'Éternel te donne, c'est le suivi d'aucun chagrin. Donc la bénédiction que tu dois vivre, c'est celle qui vient de Dieu et non des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Malheur, malheur à qui met sa confiance en l'homme. C'est à cause de ça. Ne mets jamais ta confiance en l'homme. L'homme aujourd'hui il est avec toi, demain il te trahira. Alléluia. Il te donne par la main droite, il va te reprendre par la gauche. Alléluia. Amen. Regardez bien. Saül n'a rien demandé. Du moins, David n'a rien demandé. Mais David a dit non.
ce que tu as mis sur moi là est trop fort. J'arrive pas. L'onction qui est dedans, elle me dérange. Enlève-moi ça. Enlève. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.